me siento enfermo, completamente enfermo. El tiempo vuelve ya hacia atrás, con mi niñez y el miedo de la soledad. Me siento enfermo, perfectamente enfermo. Nunca sabes de dónde llega, jamás sabía dónde va. Y pronto no añorará que te da igual. L'idiot a cru en un sauveur, mais n'a pas vu qu'il ne peut y avoir de salut, parce qu'il a été déchu avant l'heure. Il n'est tenu et retenu que par l'étendue de ses malheurs. Ce qui est n'aurait pu être autrement. Et qui prétend le contraire lui ment. Le casse et la casse était prévu, destiné à être prédestiné. Il le découvre d'année en année. L'idiot. L'idiot a cru en un monde meilleur. L'idiot a cru en un monde meilleur, mais n'a pas vu que tout bonheur est un leurre, parce que même celui qui a la foi ne cherche et ne trouve que soi. Même le plus ouvert finit par se refermer sur soi. Car nul n'a assez de cœur pour secourir un autre malheur, à part le sien, le tien, le mien. Il n'y a pas d'autre bien. Il n'y a rien. L'idiot a cru en une main tendue, mais n'a pas vu que les esprits sont tous tordus par le calcul des intérêts et la crainte du jour d'après, parce que le ciel est d'un vide essentiel. Toute union ne peut être qu'artificielle. Il n'y a personne pour t'élever, pour te crever, il y a du monde. On peut s'entretuer, pas s'entretenir, se soumettre, mais pas se soutenir. L'idiot m'a demandé de l'illustrer avec des exemples concrets. Comme il vit à Jérusalem, j'ai tout de suite situé le problème. Parce que tu crois, lui dis-je, qu'Israël est tiré d'affaire, annexé des terres, dépossédé des propriétaires, indûment construit un état prospère, avec une force de frappe et de sape sans équivalent dans la région, que sa violence est de plus en plus approuvée par un Occident qui se sent menacé par les vagues du terrorisme arabo-islamiste. L'idiot croit que son pays a gagné la guerre sur le plan militaire, mais surtout la guerre de l'opinion planétaire qui va lui garantir la pérennité. En effet, les apparences plaident en ce sens.
Car en Israël, le terrorisme et l'État ne font qu'un. Le terrorisme, elle s'en sert pour légitimer son coup d'État permanent. Israël a presque tout. Peut-être même qu'elle aura tout. Mais n'aura jamais, jamais, jamais la paix. Ni des âmes. Ni des armes. Parce qu'elle est seule au monde à faire de son État une religion. À l'inverse de Daesh qui veut faire de sa religion un État. Et si Daesh veut que tout le monde prie Dieu, Israël veut que tout le monde prie Israël. Le seul lieu où l'État se prend pour Dieu. Et la mystification, même au nom de l'Éternel, ne peut être éternelle. La terre peut être, mais la paix ne peut être promise. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortit le soir et qu'elle me laissait se laver.